Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, c'est pour ça que j'enquille les gameplays. Et on se retrouve aujourd'hui pour trouver la cible. On voit en fait qu'il faut trouver une zone, là on le voit furtivement dans la map. C'est une zone rouge comme ça. Parce qu'en fait il n'y a pas d'indication pour cette mission, qui est la suite de l'explosion de notre appartement, notre planque. Et donc en fait il y a une zone rouge, il faut la trouver sur la carte, tout simplement. Hein, cherchez bien, baladez-vous en voiture, tournez, vous allez trouver cette zone rouge. Donc l'objectif est de trouver la cible, donc c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir que on rentre pas comme ça. Trouver l'endroit où on peut entrer, il y a bien sûr toujours des fausses portes comme habituellement dans les jeux, des portes qui s'ouvrent pas. Donc j'essaie tout, hein, vous voyez, naturellement. Comme vous le savez, je teste les jeux en direct. Et le gameplay que je vous envoie est en direct. Bouge, bâtard! Sauf le commentaire, en fait, tout simplement. Voilà, donc en fait... Jamais! On va monter, mais on se retrouve avec un... Ah. Juste devant nous. Qui va nous envoyer une petite insulte. Ah! Ah! Donc là, le plus simple est de détourner son attention. Un dealer, hein, pas un dealer. T'es con. Donc voilà. Détourne son attention, mais je suis monté un peu trop vite en fait, il s'était pas vraiment retourné. Vous allez le voir. Je l'ai neutralisé plein de face, hein, je l'ai obligé. Voilà, le petit coup de pied dans la tête qui va bien. Maintenant qu'on est dans le bâtiment, et grimper par le petit escalier. Là, on va se retrouver face à un truc qui bouge là-bas. Ils sont pas. Oh. De mémoire, sur ce gameplay, je vais les neutraliser tranquillement tous, sans me faire repérer. Yo, c'est quoi cette merde? Moi aussi, 7-8. Nous sommes assez facilement neutralisables. Sans trop se faire repérer, on rentre pas trop dans leur champ de vision, donc c'est plutôt assez facile. Voilà, un petit coup de matraque habituel. Pas oublier de neutraliser cette là parce qu'il vous voit de l'autre côté en fait. Ça pourrait se terminer en carnage. J'attendais que le gros il bouge là-bas. Voilà, c'est l'opportunité. Toujours aussi rapide Eden, un petit coup de matraque. Alors les oreilles, voilà, terminé. Étranglement.
Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller choper la cible, qui est le but de la mission. Et vous le voyez, tout se fait naturellement, en toute tranquillité. On peut vraiment les choper sans alerter les autres, ce qui est quand même pas mal, parce qu'autrement on se retrouve pris au milieu d'une fusillade, après un... comme ça, hein, allez. Une bonne fusillade entre amis, mais là, c'est quand même le plus simple pour pas se faire buter, tout simplement. Donc là, la petite pensée est ouverte. Et on a pu neutraliser. C'est un 4-5. Je ne sais pas s'il y en a un qui est caché. 4, je crois. Donc, il se barre, voilà. Neutralisation. Ça va vite. Petite planquette parce que je le voyais tourner. Donc, je fais ma flippette, je me cache derrière les trucs. Et derrière. Voilà, petit coup de matraque qui va bien. Il ne reste plus qu'à neutraliser. Et on a notre cible. Voilà. Je me tourne le dos, c'est l'occasion jamais. Je ne me vois pas, tant mieux. À la télé, il parle d'un incendie. Donc, la neutralisation apporte 20 points de dégâts. Tu peux pas faire ton check-out comme tout le monde. Tu m'as déjà vu faire quelque chose comme tout le monde. Mais tu fais de l'humour. Ça fait longtemps que j'ai plus l'habitude. On peut pas t'habitues pas. C'est pas prêt de se reproduire. J'ai plus accès à mon réseau, il me faut du matériel. Ah, ça c'est pas mon problème. T'as pas voulu qu'on bosse en équipe, tu te débrouilles. Et voilà, le cible neutralisé. Mais dépêche-toi, j'ai besoin de toi à 100%. Hé, ma belle, il y a ton frère, il veut te parler. Pour un petit tarif syndical. Aiden. Petit coup de fil. Jack, est-ce que mon fils va bien? Il est en sécurité. Où es-tu? Je sais pas, il fait froid. Alors, traque ce copain, Damien. J'ai les yeux bandés pendant tout le trajet. J'ai peur, Aiden. Je sais, mais t'inquiète, je vais te sortir de là. Écoute, je connais Damien. C'est pas un malade, il te fera pas de mal. Mais sois prudente quand il est là. Comment ça, tu le connais? Il m'a kidnappé. Il se sert de toi pour m'atteindre. Quoi? C'est fini. Bon, dis donc, que tu lui as dit? Elle est en larmes, la pauvre fille. Damien, repasse-la-moi. Si tu veux continuer à discuter, tu suis l'adresse IP et tu m'apportes quelque chose d'utile. Salut. Ok, elle est en vie. Pour l'instant. Elle est dans un endroit où il fait froid. En extérieur, peut-être. Si je lui demande plus d'infos, je pourrais peut-être la localiser.